Pour commencer, voyons l'outillage nécessaire. Il vous faut une cintreuse, une équerre, un mètre et un crayon. Les façonnages déjà effectués se trouvent toujours du côté du manche de la cintreuse d'établi. Dans cet exemple, c'est un collet battu. Réalisez un coude à 45 degrés en alignant les deux repères. Une fois le cintrage réalisé, faites pivoter la pièce dans la cintreuse. Tracez l'axe sur le tube cuivre. Et positionnez l'équerre sur cet axe et sur le repère 45 degrés de la forme à cintrer. Mesurez la cote souhaitée depuis ce repère 45 degrés jusqu'à l'angle formé par l'équerre. Renouvelez l'opération de manière à obtenir parfaitement votre dimension. Dans notre exemple, nous souhaitons obtenir une cote de 95 mm. N'oubliez pas la planéité de la pièce. Et cintrez le deuxième coude à 45 degrés. La baïonnette est terminée si les deux axes sont parallèles. Les baïonnettes sont comme dans notre exemple, généralement cintré à 45 degrés, mais il est possible de choisir l'angle de cintrage en fonction de l'entraxe de la baïonnette.